Mesdames et messieurs, nous vous annonçons l'arrivée de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, qui va recevoir dans quelques instants les honneurs qui lui sont dus. Ensemble. Hello! Présentez! Homme! Nous vous prions de bien vouloir vous lever. Honneur à Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Excellences, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été rendus par la musique de la Gendarmerie nationale. Le drapeau de l'État, un peloton de la Gendarmerie nationale, une section de l'État-major de l'armée des terres, une section de la Marine nationale, une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires,
une section de la garde républicaine, aux ordres du lieutenant-colonel Coupé-Siloué, commandant le 1er bataillon de commando et des parachutistes, commandant des troupes ce jour, à vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Merci. Obsèque! Homme! Repos! Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, mesdames et messieurs, distingués invités, par tradition, les armées rendent hommage aux autorités politiques qui ont rendu des services éminents à la nation lorsque celle-ci décède. Cet hommage devient un devoir lorsque le défunt est de ceux qui ont laissé dans le souvenir des vivants leur engagement sans calcul pour la sauvegarde de la nation et la haute idée qu'ils avaient de la Côte d'Ivoire. Au nombre de ces serviteurs de la nation, feu Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre, ce qui lui vaut de recevoir cet hommage national en ce lieu que le défunt a particulièrement connu pour avoir été par deux fois Premier ministre et en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. La cérémonie d'hommage sera articulée ainsi qu'il suit. La mise en place de la dépouille, le recueillement des autorités, un témoignage de vie, l'oraison funèbre, la sonnerie aux morts, le défilé.
La remise à la famille de la dépouille et du drapeau de l'État mettra fin à la cérémonie. À présent, mesdames et messieurs, comme annoncé à l'entame de cette cérémonie, la mise en place de la dépouille. Somme. Allô! Présentez! Homme! Porte en place! Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Merci.
Zay! Homme! Repos! Nous invitons respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Hello! Présenté! Homme! Observez! Homme! Repos! Nous invitons Monsieur le Président du Conseil constitutionnel à s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Allons! Repos. Nous invitons Madame la Présidente de la Cour de cassation à s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Hello! Présentez! Homme! Homme, repos. Nous invitons Monsieur le Président du Conseil d'État à s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Hello! Présentez. Homme. Observez! Homme! Repos! Nous invitons Monsieur le Président de la Cour des comptes à s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Hello! Présentez! Homme! Zay! Homme! Repos! Et enfin, nous invitons Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Allons! Présentez! Homme! Observez! Homme! Repos! Homme politique d'un sens patriotique élevé, des pans de vie de Feu Seydou Eleman Diarra vont à présent être livrés à travers un témoignage, celui de Maître Camara Adama, avocat et ancien collaborateur du défunt. Hello!
Ouvrez le banc. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions de la République, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Défense, Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Madame Josiane Diarra, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur le chef d'état-major général des armées, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les élus, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités. Comme si cela ne suffisait pas, le malheur continue de s'acharner sur la Côte d'Ivoire. Un grand serviteur de l'État nous quitte encore. Votre douleur est immense, mais elle est aussi grande pour nous, nous qui avons été des proches collaborateurs du Premier ministre Seydou Elimane Diarra. En effet, celui que nous pleurons aujourd'hui était un humaniste accompli, discret, sobre et réservé. Il parlait peu de sa vie privée. Cet ingénieur agronome, devenu un diplomate de carrière, avait un sens très profond des relations humaines. Façonné par les vicissitudes de la vie, ainsi que par les rouages et subtilités de son métier, il avait une grande capacité d'écoute, de tolérance et de connaissance des hommes. Il était l'ami de tous, adultes, vieux et jeunes. Il se voulait l'ennemi de personne. Il était un trait d'union entre les différents courants politiques et religieux. Homme de conviction, croyant, compétent, il était assidu au travail. De caractère modéré, il n'aimait pas les excès. C'est cet homme que le hasard de l'histoire a propulsé au-devant de la scène. Oui, le hasard en a fait un homme politique. On comprend aisément pourquoi le général Guy Robert l'a nommé Premier ministre sous la transition militaire. Le président Laurent Gbagbo en a fait le président du Forum pour la réconciliation nationale. Toujours impassible et stoïque, après l'accord de l'INAS Marcoussis, il est désigné par consensus le premier ministre du gouvernement de réconciliation nationale. On s'imagine ce qu'a pu être sa tâche de réconciliation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire, profondément meurtrie par des divisions. Cette tâche était immense et difficile, mais il l'a accomplie avec loyauté et dévouement pour la mère patrie. Fin connaisseur de la société ivoirienne, pour rebâtir la nation en crise, sans exclusif, il a fait appel à des compétences et intelligence issue de tout milieu et de toutes les sensibilités ethniques, politiques
et religieuses. Enfin, après sa mission, deux fois à la primature, ici même, il sera nommé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. C'est là qu'il prend définitivement sa retraite. Il y a laissé le souvenir inoubliable d'un grand-père, sage, généreux et courtois. On y raconte souvent que c'était un bon père de famille aimant ses enfants et à l'écoute de son petit personnel. À Monsieur le Président de la République, à Madame Diarra et aux enfants Diarra, à Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, celui qui nous a quittés était un homme de partage, disponible et toujours attentif. Il avait toujours à cœur le désir d'aider tout le monde. Il avait aussi à cœur le désir surtout de réconcilier. Il n'aimait pas les conflits, la frustration et l'humiliation de l'autre étaient ses interdits, c'était ses totems. Pour vous, Madame Diarra, nous savons combien votre douleur est incommensurable. Auprès de votre cher époux, plus qu'une épouse, vous êtes restée au quotidien et très discrètement son amie, son assistante et sa confidente. Affablement, vous avez accueilli indistinctement chez vous tout le monde, oui, tout le monde. Pour tout ce que vous avez été pour notre patron, tous ses anciens collaborateurs, par ma modeste voix, vous expriment leur profonde et sincère gratitude. À Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous n'ignorons pas la profondeur des liens familiaux qui vous unissent à l'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra. Drôle de coïncidence malheureuse. Après la perte brutale de votre fils, c'est au tour de votre oncle. C'est celui à qui vous et votre épouse, Madame Dominique Ouattara, étiez très attachés, qui s'en va. Que le Seigneur vous aide à surmonter ces moments difficiles. Pour finir, celui que nous pleurons était pour nous un homme de devoir. Devenu grand commis de l'État, il était très respectueux des institutions et de ses hommes. Grand croix de l'ordre national, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie sociale. C'est lui qui nous a permis de découvrir l'État, de le connaître et surtout de l'aimer. C'était un grand maître du savoir. Des nombreuses expériences vécues, nous avons retenu de notre maître trois enseignements. Fidèle serviteur musulman, il croyait à la mort, mais la mort ne l'effrayait pas. De culture et de compromis, il nous a appris que l'avenir appartient à que ceux qui savent attendre. Toujours élégant, discrètement, il ne cessait de rappeler à chacun de ses collaborateurs d'en faire autant. Hélas, cette belle silhouette, on ne la révéla plus, plus jamais. Je vous invite à faire note cette belle citation du philosophe Jean d'Ormesson Samah. Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Adieu, notre patron. Adieu, cher maître. Lève le vent. Repos. Ultime hommage de la nation à l'illustre disparu, nous invitons M. Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, à prononcer l'oraison funèbre. Allons ! Présentez ! Hommes ! Excellences, Monsieur le Président de la République, neveu du Premier ministre Seydou Elimane Diarra, Madame Josiane Diarra, chers enfants Diarra, chers membres de la famille Diarra, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major des armées, officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, parents, amis et connaissances de Seydou Elimane Diarra, Mesdames et Messieurs, un observateur avisé de nos mœurs et coutumes sociales et politiques a dit que la meilleure façon de mesurer la réussite de vie d'un homme exceptionnel, c'est que lorsqu'il nous quitte, quel que soit l'endroit de ses funérailles, ce lieu se révélera toujours trop exigu pour accueillir ne serait-ce qu'une infime partie de tous ceux qui, nombreux, voudraient venir le saluer une dernière fois et lui rendre un ultime hommage. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le cas ici. En présence du chef de l'État, de l'épouse du défunt, de ses enfants, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des élus et l'ensemble des corps constitués. Après le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que nous n'avons pas fini de pleurer, et dont nous continuons à porter le deuil, voilà, dans le recueillement pour célébrer la mémoire de l'un de ses plus célèbres fils. L'avalanche de louanges que, anonyme, comme célébrité, déverse à juste titre sur le Premier ministre Seydou Elimane Diarra depuis sa disparition, atteste en ces heures de deuil de la réussite de vie phénoménale qui a été la sienne, eu égard à ses nombreux mérites et qualités. Au cours d'une vie particulièrement bien remplie, Seydou Elimane Diarra a incontestablement réalisé les plus grands objectifs auxquels devrait aspirer tout fils de la Côte d'Ivoire, soucieux de devenir de la nation, au point de laisser sa marque, une marque indélébile. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent, a notamment écrit l'artiste-écrivain Mario Puzo. Celui à qui la nation rend hommage et exprime ce matin son immortelle gratitude
appartenaient à cette catégorie rare d'hommes qui se sont réalisés dans l'action, tout en faisant preuve d'un incomparable et généreux humanisme. Homme de devoir, d'une rare noblesse d'âme et d'une exquise élégance morale, le Premier ministre Seydou Elimane Diarra s'est évertué toute sa vie durant à répondre avec un extraordinaire altruisme à tous les appels de la nation, les appels du destin. On ne s'étonnera donc pas de le voir répondre à celui du général Gay au lendemain du coup d'État militaire de décembre 1999. Celui-ci en fit d'abord un ministre d'État chargé de la planification, du développement et de la coordination du gouvernement de transition, formé le 4 janvier 2000, avant de le nommer Premier ministre le 18 mai, à la tête d'une équipe qui ne sera malheureusement pas consensuelle après la mise à l'écart de tous les ministres issus du Rassemblement des Républicains. Celui qu'on appelait alors l'ambassadeur Seydou Elimane Diarra, alors qu'il n'exerçait plus aucune activité diplomatique depuis au moins une vingtaine d'années, ne s'est pas retrouvé là par hasard dans cette période chaotique que connaissait la Côte d'Ivoire, et cela malgré le fait qu'il n'appartenait même pas à la sphère politique ivoirienne. En effet, bien qu'ayant pris ses distances avec la politique après les déboires qu'il a connus lors des événements de 1963, où il se retrouvera en prison avec un certain nombre de compagnons d'infortune, Abdoulaye Fadiga, Charles Boza Donvahi, Lamine Diabaté, Gaoussou Ouattara, Dr Amadou Koné et j'en passe. Seydou Diarra avait l'avantage d'être un homme de consensus à la confluence du monde des affaires et du monde politique. Cet homme libre et sans attache politique pouvait notamment se prévaloir de l'amitié, sinon du respect, et de la considération de tous les leaders politiques de l'époque, comme l'a dépeint l'un de ses admirateurs. Il ne représentait personne, mais connaissait tout le monde. L'homme ne gardera pas un souvenir impérissable de son compagnonnage avec les militaires. Tout au plus, confiera-t-il quelques années plus tard, il aura réussi à empêcher beaucoup de dérives de la part du régime militaire. Mais le Premier ministre Seydou Elimane Diarra ne devait pas rester longtemps dans l'ombre, car il est appelé à présider le Forum national de la réconciliation nationale qui se tiendra d'octobre à décembre 2001 à Abidjan, en présence de tous les protagonistes de la crise, avec les résultats que l'on connaît. Ce sont les graves événements des 18-19 septembre 2002 qui l'ont particulièrement meurtri, qui vont l'amener à reprendre son bâton de pèlerin afin de maintenir le dialogue avec l'ensemble de la classe politique dont certains leaders avaient été contraints à l'exil. C'est donc sans surprise qu'il est nommé le 25 janvier 2003, à l'issue de la conférence de Lina Marcoussi, Premier ministre de consensus du gouvernement de réconciliation nationale. Mais il n'aura malheureusement pas les coudées franches avec le pouvoir de l'époque qui ne lui facilitera pas la tâche. Seydou Elimane Diarra aura essayé de gérer du mieux qu'il pouvait cette seconde transition, mais sans une grande marge de manœuvre du fait de l'application tardive et partielle de la délégation de pouvoir par décret dont il devait bénéficier. En quittant la primature à la fin de l'année 2005, le Premier ministre, qui était entré en politique à son corps défendant, mettait un terme définitif à une expérience au cours de laquelle il aura constamment essayé de concilier les inconciliables, en s'efforçant, comme il aimait à le dire, à ne s'aliéner personne afin d'aboutir à l'application des accords de Marcoussi. C'est Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui le tirera de sa paisible et méritée retraite pour le nommer à la tête de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, où il s'attellera à traquer et à dénoncer scrupuleusement la corruption sous toutes ses formes.
Il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment, a dit Georges Pompidou. Le Premier ministre Sédou Elimane Diarra répond parfaitement à cet axiome qui a su répondre à l'appel de la nation, précisément chaque fois qu'elle se retrouvait au creux de la vague dans une situation grosse d'incertitude et de danger. Dans ces moments difficiles et d'extrême précarité pour la paix civile, il a toujours su donner la pleine mesure de ses immenses qualités d'homme d'État, mais aussi et surtout de cœur qui lui ont toujours permis de préserver l'essentiel. Homme de paix, de tolérance, de consensus, de dignité, de rassemblement et de réconciliation, le Premier ministre Sédou Elimane Diarra, de par ses qualités personnelles, intrinsèques, aura imprimé son empreinte à la vie politique intérieure, mais aussi sur le sable du temps, comme dirait le poète. Il a réussi, au-delà de toute attente, par son incomparable dévouement, à réunir tous les acteurs politiques majeurs et contribuer ainsi à humaniser la scène politique au plus fort des grandes tensions politiques, et cela en raison du large consensus autour de son auguste personne. Mais on peut le dire et le soutenir. Son origine, son éducation, son remarquable parcours dans la diplomatie et le monde des affaires n'ont pas peu contribué à forger l'image que les Ivoiriens avaient de lui quand il était sous les projecteurs de l'actualité dans ce lieu de pouvoir qu'était la primature. Le Premier ministre Sédou Elimane Diarra est certes né à Katula, de parents originaires d'Odiené, précisément de Dioula-Tiédrou, mais il a passé son enfance à Azopé. De plus, son épouse est chrétienne, alors que lui-même est de confession musulmane pratiquant. Il était de notoriété qu'il était un éclectisme remarquable au regard de son parcours professionnel fort diversifié et multisectoriel. Il appréhendait avec sagesse et aisance toutes les circonstances dans lesquelles la Providence avait bien voulu lui confier les hautes et délicates fonctions qui furent les siennes. Le Premier ministre Sédou Elimane Diarra mettait un point d'honneur dans le choix de ses collaborateurs, dont il s'assurait toujours qu'ils provenaient de tous les divers horizons de la Côte d'Ivoire. Au demeurant, ce principe auquel il ne dérogeait jamais, à en juger par la composition de ses différents cabinets, était prémonitoire de son parcours inédit et exemplaire qui a été plus qu'utile à notre pays. Fervent croyant musulman, Sédou Elimane Diarra plaçait toujours l'homme au centre de toutes ses actions et préoccupations. Modèle de générosité, d'amitié et de loyauté, il était unanimement reconnu pour son grand cœur, son esprit de partage et de solidarité, toujours prêt à apporter son soutien et ses sages conseils à son prochain. La discrétion de Sédou Diarra rappelle l'adage qui veut que le destin se rencontre sur le chemin que l'on emprunte pour l'éviter. En effet, malgré les responsabilités publiques auxquelles le destin l'a convié au cours de sa vie, il a su cultiver cette valeur cardinale qui le caractérisait, non sans révéler sa grande capacité d'écoute qui le prédestinait à ses missions de grand réconciliateur. La modestie va bien aux grands hommes d'État. C'est de n'être rien d'autre d'être quand même modeste qu'il est difficile, enseigne l'artiste et écrivain français Jules Renard. L'humilité était l'un des principaux traits de caractère du Premier ministre Elimane Diarra. Cette capacité à laisser une impression durable aux gens qu'il rencontrait est bien la caractéristique du leader charismatique qu'il était. Une qualité rare qui a permis à cet ingénieur agronome de formation, dès son entrée dans la vie active, de gravir régulièrement tous les échelons dans les différents domaines où il exercera ses talents. Proche collaborateur de M. Charles Boza Donvahi, ministre de l'Agriculture et du Développement en 1961, il prit une part active dans la création et la gestion de la Caisse de stabilisation des prix
des produits agricoles. Il fut, avec son jeune frère, le ministre Abdoulaye Savadogo, également agronome de métier, l'un de ceux qui ont posé les premiers jalons de l'agriculture ivoirienne moderne. Toujours dans le même secteur, le Premier ministre Diarra fut un fervent défenseur des intérêts de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales du café et du cacao. Une fois ambassadeur au Brésil, premier producteur mondial de café, en 1971, l'agronome émérite a su mettre l'expérience brésilienne au service de la Côte d'Ivoire au point qu'elle est devenue le troisième producteur mondial de café et premier producteur sur le continent africain. Il faut dire qu'à partir d'octobre 1966, Seydou Illiman Diarra avait rejoint l'OAMCAF à Londres, où il séjournera jusqu'en 1969. Il sera l'un des négociateurs de la révision de l'accord de 1962 sur le café, accord qui permettra une meilleure prise en compte du groupe des producteurs. Après un court passage dans le privé, précisément à la Société africaine de cacao, SACO, une filiale du groupe Cacao Barry, et après le Brésil, où il restera jusqu'en 1977, le président Oufouet le nomme ambassadeur à Bruxelles. Dans la capitale belge, il sera notamment le porte-parole et le président des pays Afrique-Caraïbes et Pacifique pour les négociations avec l'Union européenne qui déboucheront sur l'accord de Lomé II. De Bruxelles, il revient dans la capitale britannique en novembre 1983 et il séjournera jusqu'en février 1986, toujours en qualité d'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire. De retour à Abidjan, Seydou Illiman Diarra est nommé au Conseil économique et social. C'est l'occasion que met à profit l'expert en café cacao qu'il est devenu pour tourner la page de plus de 15 ans de diplomatie afin de se lancer dans le monde des affaires. Désigné PDG des filiales du groupe Cacao Barry à la tête d'une affaire florissante, l'ancien diplomate prend la direction de la Chambre de commerce et d'industrie en 1992 au terme d'une élection proche du plébiscite. Tour à tour, agronome, agent de l'État, diplomate et homme d'affaires prospère avant de migrer à son corps défendant et par devoir dans le microcosme politique. Le Premier ministre Seydou Diarra aura incontestablement révélé les multiples facettes d'un homme hors du commun qui s'est illustré par un engagement sans faille au service de son pays, qui avait compris mieux que quiconque l'importance de pratiquer le bien envers autrui. Le Premier ministre Seydou Illiman Diarra, qui mérite de la nation pour les immenses services qu'il lui a rendus, vient de nous quitter pour un monde meilleur, mais il nous lègue un héritage de grande valeur, un exemple de vie phénoménal à nul autre pareil qui inspirera certainement les générations futures. Le temps n'efface pas la trace des grands hommes et la vertu brille même parmi les morts, assure Euripide, philosophe de la Grèce antique. Monsieur le Premier ministre Seydou Illiman Diarra, la Côte d'Ivoire reconnaissante se souvient. Elle se souviendra aussi longtemps que vous vivrez dans sa mémoire. Avec d'autres grands serviteurs de la nation qui vous ont précédé dans le sommeil éternel, vous appartenez désormais à l'histoire. Fermez le banc. Seuil. Homme. Repos. Instant solennel de recueillement et de reconnaissance de la nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, distinguées personnalités, à présent la sonnerie en hommage aux morts. Nous prions toute l'assistance de bien vouloir se tenir debout. Présentez. Homme. Homme.
Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Merci. Seuil ! Homme ! Repos ! D'abord, Premier ministre des Transitions, puis 3 ans plus tard, Premier ministre des Consensus, Feu Seydou Eliman Diarra est un fonctionnaire ivoirien dont le mérite a été reconnu tant au niveau national que international. Entre autres distinctions, le défunt est officier du mérite de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, commandeur du mérite agricole de Côte d'Ivoire, officier de la Légion d'honneur française, grand officier de l'ordre de Rio Branco, Brésil, grand officier de l'ordre de Cruzeiro do Sul, Brésil, grand officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire, grand officier de l'ordre de la Couronne, Belgique, grand officier du mérite du Luxembourg, commandeur de la Légion d'honneur française, grand croix du mérite ivoirien, grand croix de l'ordre national de Côte d'Ivoire. C'est en l'honneur de cette personnalité que, à présent, les troupes vont exécuter un défilé à pied. Disposition préparatoire pour le défilé. À droite. Droite. Direction notre emplacement. En avant. Marche! Et là, jeune. Le temps. Le défilé auquel vous allez assister dans quelques instants demeure une règle de bienséance spécifique aux forces armées. Il est l'un des modes d'expression pour rendre hommage individuellement aux personnes et aux symboles qui y ont droit. Ce défilé étant exécuté en l'honneur de Feu Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, il vous sera demandé de ne vous lever qu'au passage du drapeau, lequel ouvre le défilé. Vont défiler devant la dépouille, dans l'ordre, la musique de la garde de la gendarmerie nationale, le drapeau de l'État, un peloton de la gendarmerie nationale, une section de l'armée des terres, une section de l'armée de l'air, une section de la marine nationale et une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires et une section de la garde républicaine. L'ensemble, aux ordres du lieutenant-colonel Coupé, s'il lui est. Pour le défilé, l'ensemble,
Hello! Pour le défilé, colonne par 3, guide à droite, en avant, marche! Bon, monsieur, on s'en va.
Le drapeau de l'État va à présent se retirer pour marquer la fin de la cérémonie. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour lui rendre les honneurs. Présentez, homme. Au drapeau. Nous vous demandons de bien vouloir observer la station debout jusqu'à ce que le drapeau soit totalement hors de vue. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Merci. Lieutenant-colonel Coupé Siloué, commandant le 1er bataillon de commando et des parachutistes. Cérémonie militaire terminée. Adieu, monsieur le Premier ministre. Le moment est venu de procéder au rituel de la remise du drapeau de l'État à la veuve. À travers ce symbole, Son Excellence Monsieur le Président de la République exprimera la reconnaissance de la nation pour les éminents services rendus par l'illustre disparu.
Après des longues années consacrées à servir la nation, la dépouille de celui qui a appartenu à la Côte d'Ivoire entière va être maintenant remise à sa famille par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous invitons les porteurs à se mettre en place. Sous la conduite du protocole, les membres de la famille du défunt vont regagner leur emplacement en vue de recevoir la dépouille de l'illustre disparu, la nation reconnaissante. À la suite de la famille Diarra, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des armées.
la douleur de la séparation, l'émotion du vide qui se crée désormais. La nation en deuil, un grand homme s'en va. Feu Seydou Eliman Diarra. Hommage national en présence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le véhicule mortuaire qui est suivi de la grande famille Diarra. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguées personnalités, la cérémonie d'hommage national en l'honneur du feu Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre, est à son terme. Nous vous remercions pour votre présence dans cette douloureuse épreuve. Tous les invités sont priés de rester en place pour le plan de repliement des personnalités et cela se fera sous la conduite du protocole d'État.